Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour les promotions de la semaine du 22, du 20 et, de 20, non du 20, oui du 22, du jeudi 22 au jeudi 29. Bon, on va commencer tout de suite par chez Simeone. Donc chez Simeone, vous pouvez déjà remarquer la Vessier Nero, désolé si je le dis mal, la Paragon Air. Bon là, moi c'est la Paragon Air blindée. Je sais pas si ça change grand chose entre la blindée et la pas blindée. On a le Anis et Lyon, la Zion classique et la Peugeot gazeuse. N'hésitez vraiment pas à regarder si tous ces véhicules ne sont plus disponibles. Déjà. Ah. Ah, pour ceux qui l'ont compris, nouveau DLC dans GTA V, nouveau truc, un nouveau véhicule aussi qui est arrivé cette semaine. Mais pour l'appel qu'on a reçu, donc pour ceux qui ne suivent pas l'histoire de GTA V online, donc la personne qui m'appelait, c'est-à-dire Vincent, faisait partie du Diamond's Casino. Il s'est fait virer. Et donc maintenant, il nous prépare un nouveau braquage, si je comprends bien, vers Roxford Plaza. Donc ici. Donc apparemment il devra peut-être avoir un point de rendez-vous, je sais pas. De toute façon, ce soir, donc à l'heure où vous voyez la vidéo, peut-être hier ou bah aujourd'hui, je serai en live, peut-être. Je vais essayer de voir ça avec aussi donc mon pote Tyrone. Pourquoi je rentre là-dedans? Comme ça, on essaie de live en même temps, de faire un petit live en même temps pour en faire plaisir, pour un peu le retour des lives de mon côté, et pour voilà. Et pour un peu vous ne pas que vous faire des vidéos, parce que c'est bien beau de faire des vidéos tout le temps, mais ne pas en faire c'est aussi bien, parce que voilà. On est arrivé donc ici, on peut déjà remarquer deux véhicules que je ne connais pas du tout le nom. Donc on a la FR 3, 306, et de l'autre côté on a, je peux même pas voir son nom d'ici, super. On a la Impaler SZ. La Impaler SZ. Vous allez me dire, mais je connais pas cette voiture. Eh ben normal. Elle est arrivée ce jeudi. Regardez. Donc c'est une voiture de place qui fait partie du DLC casse de haut vol. Si pendant cette vidéo que je vous dis quelques informations, c'est en anglais et que je ne traduis pas bien en fait. C'est juste pour vous dire ça, mais je crois que ça va être traduit bientôt. Je sais pas, je vais essayer de vous traduire ce que je peux. De toute façon, donc on va aller tout de suite au casino et après on va aller au salon de l'Est et on pourra parler des promos, réductions, nanani et nanana, là, tout ce que vous voulez. Bon, on pourra faire ça. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker mes vidéos. Vous abonner, ça fait extrêmement plaisir. Si vous ne vous abonnez, si vous ne, allez, ma langue elle va encore fourcher toute la soirée. Si vous n'abonnez pas, si vous abonnez pas à moi, bah si vous voulez vous abonner, je veux dire, vous n'êtes pas obligé de mettre la cloche de notification. Si vous n'avez pas envie de recevoir les notifs, voilà. De toute façon, si vous voulez aussi, il y a mon Discord en description. Donc je vous mets mon Discord en description. Comme d'hab, n'hésitez pas à liker, hein, ça fait ultra plaisir. Vous êtes vraiment très peu à liker. C'est dommage, parce que moi, quand vous likez, bah, c'est vraiment une force. Vous, peut-être, vous vous rendez pas compte. Mais en dehors de votre like, c'est pas comme si vous me donnez un don, mais c'est pour me dire, super, j'adore ce que tu fais, continue. Et bah le pouce rouge, c'est l'inverse. Donc on a... on a donc on a le Rebla GTS et donc tourner la roue pour le débloquer et n'oubliez jamais d'aller tous les jours donc tourner la roue et donc n'oubliez jamais de tourner tous les jours la roue et d'aller même voir la petite caissière.
Parce que la caissière, pour ceux qui ne savent pas, la caissière vous permet de gagner 1000 jetons par jour. Donc en plus, si vous n'avez pas envie d'utiliser des jetons, et ben vos jetons, vous pouvez les convertir en dollars. Donc, par exemple, actuellement, j'ai des 30 000 jetons, plus les 1000 quotidiens, ça me fait 31 000 jetons. Vu que je n'aime pas jouer au jeu du Diamond Casino parce que je perds tout le temps mon argent, ouais, bonus de visiteur, et là je fais échanger mes jetons. Donc là c'est acquérir, et là je fais vous faites échanger, et tous vos jetons vont être transformés en dollars. Donc comme ça vous fait récupérer vos petits jetons que vous ne souhaitez pas dépenser. Mais c'est une autre technique pour stocker de l'argent. Après, il n'y a pas un truc où les jetons prennent de la valeur, non. Donc, l'argent, vous le stockez en banque, voilà. On va aller tout de suite. Au LS. Oups. On y va tout de suite. Hop là. Donc c'est bon, on y est arrivé. Désolé, là, je n'ai pas beaucoup de choses à vous dire. J'attends juste que ça traduit ou que j'ai une vidéo qui puisse m'expliquer un peu ça. Genre, il y a un truc qui m'explique. Qu'est-ce que je fais? Les activités mot adversaire, si je comprends. Donc, je vous le dis en anglais, les activités adversaires série, donc du Diamond Casino, sont triplées pour cette semaine. Vous avez la déclassée Mamba que vous pouvez avoir pour la casse. Donc, si je comprends bien, donc il y a un voice chat qui est une nouveauté, je vous expliquerai plus tard dans la vidéo. Il y a des réductions pour la Vister Neo sportive, la Aenus Paragon Air qui est à 30%, comme la Helion 30%, la Zion Classic 30% et la Peugeot Gazer 30%. Cette semaine, on peut débloquer ce petit véhicule, la Paria? La Paria. Donc, si vous avez envie et vous avez envie de tenter de débloquer ce véhicule, il faudra terminer dans le top 5 pendant 3 jours d'affilée dans des cours d'une course, des épreuves normales, tout de suite. Non, c'est pas des courses de rue. Cette semaine, pour vous, pour nous tous, on aura donc la coquette, le bullet. Et la Vigiro qui sera en véhicule de test cette semaine. Donc c'est dans adversaire mode. Les missions du casino sont doublées. Les missions du casino sont actuellement doublées cette semaine aussi. Pour le vol pour le vol du casino, on a la Buffado EVX, si j'ai, ouais, je crois que c'est elle. Après, elle a déclassé Mamba. Et après, c'est la Wii U. Oh, j'arrive jamais à dire son nom. La Easy Rally.
Si vous faites trois missions pour Agathe Baker, donc les missions du casino, c'est pas le braquage, hein, je préfère le dire. Si vous faites trois missions pour Agathe Baker, la patronne du casino, vous aurez un bonus de 100 000 dollars aussi. Donc ici, on a la course contre la montre. Ici, le contre la montre RC Bandito. Et voilà, je vous montre pas les autres parce que ça change tout le temps. Donc apparemment, il y a peut-être un nouveau job de policier, si je comprends bien ce qui est écrit. Donc là, je vais vous dire ce que je vois d'écrit. Malheureusement, c'est écrit en anglais. Je vais essayer de traduire. Donc, scene is une cérémonie. Donc, il y a un nouveau braquage aussi. Et donc, ça part d'un job, d'un job de la LSPD. Donc de la corruption dans Los Santos, ça parle un peu beaucoup de la police. Mais je sais pas pourquoi j'ai l'impression que ça a changé. Bon, ça n'a pas changé, mais c'est une impression que ça me donne, je comprends pourquoi. Bon, et donc normalement, vous serez appelé par Vince et normalement, il vous dira d'aller quelque part. Pour ma part, j'ai pas encore ça. De toute façon, normalement, ce soir, je suis en stream s'il y a bien un nouveau braquage. J'essaierai de le réaliser avec vous en stream. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez comme d'habitude à liker, commenter, partager. Vous connaissez la chanson, vous abonnez aussi. Et moi, je vous dis bye bye.